Mesdames, Messieurs, bonsoir. VOA Creole content entre la KO pour le présenter au programme dans langue creole haïtien. Jeudi, c'est mercredi, ou bien jeudi 23 mai 2024. Moi, c'est Jacques Lamélisa. Quel est le grand point cap deviner actualité? Président Joe Biden avec toute première dame accueilli jeudi dans la Maison Blanche. Président Kenya William Ruto avec toute madame ni dans le cadre d'une visite d'État ici aux États-Unis. Dans le moment Kenya apparaît pour le prêter une mission multinationale pour appuyer sécurité dans le pays d'Haïti. Toujours dans Washington, comité mobilisation contre dictature dans le pays d'Haïti, Komokoda, qui est basé dans New York, manifesté plusieurs côtés dans Washington, parmi eux devant la Maison Blanche pour dénoncer mission multinationale qui pourrait arriver dans le pays d'Haïti. Haïti, gouvernement démissionnaire, prolongé couvre-feu jusqu'à 28 mai, deux jours après les prolongés état d'urgence là, sous département l'Ouest là. Et puis dans Mexique, yon rafale vent renversé yon installation électorale, bilan 9 moun mouri parmi yon ti moun et gen 63 moun ki blessé. Oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour dans un petit moment, mais actualité a mené nous d'abord dans la Maison Blanche côté que président Joe Biden accueilli jodi a dans la Maison Blanche président Kenya William Ruto. Nous gain deux envoyés spéciaux. D'abord nous gain envoyé spécial dans la Maison Blanche en parlant de Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe sortez jodi a dans la Maison Blanche avec rencontre ça dans cadre d'une visite d'État président Kenya William Ruto. Donc, il semble qu'il y a un problème technique qui fait que nous n'avons pas rejoindre Jean-Robert Philippe. Et depuis le matin, il y a un petit la pluie qui t'a tombé sous Washington. Mais malgré ça, ça va empêcher que tu aies plusieurs monde. Et dans le grand matin, Jean-Robert est live avec nous. Jean-Robert est fait nous suivre et te ba nous une idée de et qui j'en situation est. Nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe et matin. Nous pour rejoindre Jean-Robert Philippe et nous t'es capable ouais côté Jean-Robert Philippe t'es live matin hein, et Jean-Marc Hervé Abel a fait nous ouais que Jean-Robert Philippe t'es live matin côté que malgré t'es gain la pluie mais t'es gain pile monde qui t'es fait déplacement yo même pour yo t'es venu ouais visite d'état ça que président Kenya William Ruto a fait dans la Maison Blanche dans le moment que Kenya apparaît pour le prendre tête une mission multinationale pour appui la sécurité dans le pays d'Haïti, et Jean-Marc Hervé Abela, est-ce que tout le monde est pareil? Kenya, ensemble avec Madame Ni et William Ruto, qui vini dans la maison dans le cadre de visite d'État. Et nous avons des matins, nous avons un qui a chanté la DM, non? Et là, nous avons un full monde là. C'est tout le monde qui fait des bassements. Il y a plusieurs centaines, si pas même des milliers, même qui déjà là. Et quand la pluie a tombé, mais ça va empêcher que nous avons là quand même pour assister à ce qui a passé. Je rappelle que le président Kenya William Ruto, c'est une visite d'État qu'il a fait dans Washington et li, c'est coupe présidentielle américaine même pour un dame. Et Jill Biden avec le président Biden qui a accueilli lui. Et c'est toute une cérémonie qu'il a fait. Alors dans le calendrier qui vient pour journée aujourd'hui, on rencontre tête à tête entre le président Kenya William Ruto avec le président Biden. Grand pile sujet qu'on va discuter dans le contrat, le accord bilatéral, relations entre deux pays, questions commerciales par exemple, et l'autre question technologique que l'administration fait connaître que la chercher joindre au vice avec le président Kenya et tout le problème tout et dette Kenya tout qui va dans le centre calendrier. Puis un point qui est aussi important pour nous-mêmes, c'est justement question et déploiement force Kenya dans le pays d'Haïti. Et nous rappelons que les Kenya ont accepté pour prendre tête une mission et la paix ou une mission sécurité en Haïti. Et bien, l'administration américaine a été bravo pour la décision ça. Et que c'est lui que l'administration dit a supporté. Donc, très certainement, dans le centre et quand les discussions qui ont été tête à tête avec le président kenyan, et bien, très certainement, question Haïti à la dans le centre là. Et c'est qui façon que Haïti lui-même, voulait, ou bien les États-Unis, voulait aider Kenya, sortir et réussir dans la mission. Qui est capable de mission difficile, mais qui n'est pas difficile, tout dépend de qui gens qui acteurs concernés ont pris ça. Actuellement, on a la pluie qui a tombé là, mais la marguerite, on a farine la pluie qui est là. Mais on ne va pas bouger, non? On a tout le monde qui est campé là quand même. Il y a des gens qui connaissent la pluie, qui soutient avec la pluie, non, mais donc, on a campé là, il y a absolument tout le bagage. Donc, il y en a pas tant. Donc, c'est comme ça, c'est le commencement de la cérémonie. Depuis, Saflon, la Maison Blanche, moi, c'est Jean-Bert Philippe, de Creole. T'as connu Jean-Robert Philippe braver danger dans la pluie pour être capable de faire
téléspectateurs nous, eh ben vive moment ça, un moment qui est très spécial parce que c'est Sarah que eh ben la Maison Blanche mettait tout le paquet pour l'accueillir, un leader et africain et ça fait 16 ans depuis on bail comme ça pas fait. Nous parlons jeune Jean-Aubert Philippe lui-même qui était là encore dans moment que deux présidents yo, deux homologues de Tokayo, eh ben t'es rencontré avec la presse. Jean-Aubert, dis-nous plus dans tout ça ouais et dans rencontre ça qui était gagné entre deux chefs d'État. Eh bien, toujours un problème technique. Na essayer de retrouver Jean-Robert Pita encore dans le programme. Non, faut dire que, faut dire tout, pendant ce temps, gagné, il y a un comité de mobilisation contre dictature dans le pays d'Haïti, Komokoda. C'est un groupe qui est basé dans New York. Et eux-mêmes, ils ont fait manifestation plusieurs côtés dans l'occasion. Visite d'État, monsieur, président William Ruto. Ils étaient devant la Maison Blanche, ils étaient devant l'ambassade Kenya dans Washington, ils étaient devant l'ambassade pays d'Haïti tout, dans Washington. Et nous avons un envoyé spécial, non? Et gentil Augustin Junior qui a dit nous plus sur ça. Merci Jacqueline, je nous te dis là nous notre troisième stop comme au code d'attaque faible dans journée 23 ça côté que yo t'a parlé avec président Ruto qui dans une visite d'état aux États-Unis. Premier stop yo c'était devant la Maison Blanche matin côté président Ruto t'a parlé ensemble avec le président Joe Biden sous différents sujets. Parmi eux nous capable dire yo t'a des sujets diplomatie yo t'a parlé parce que ça fait 16 ans côté que un président africain pas jamais venu comme dans visite d'état aux États-Unis. Deuxième bagaille m'était tendu moi-même pendant m'tap suivant discours président Ruto matin, il t'a parlé des affaires commerce, il t'a aimé que commerce entre Kenya avec États-Unis ouvert côté que il va créer plus job là Kylie parce que il va capable échanger avec États-Unis. Et troisième stop Komokoda, deuxième stop Komokoda pour bien dire, c'est devant ambassade Kenya dans Washington qui a un bloc de côté campé là côté que yo t'al parler avec frère africain yo Jean yo dit là côté que Kenya pas ta supposé accepter une mission comme ça parce que c'est travail impérialiste là il va le faire. Et kounya là Jean dit là nous dans troisième stop là côté que moun Komokoda yo derrière dominant là, il a chanté, il a voyé slogan sous gouvernement haïtien parce que ambassade haïtien c'est là yo dit qui représentait gouvernement haïtien diplomatiquement. Donc yo m'te parlé avec un responsable yo, nous pral tande ça te dit nous dans intervention là. Nous fait trois stops ça yo parce que et projet Kenya, nous te voulons tout le monde connaît, que nous comprenons, c'est un projet américain lié. Il n'y a pas aucun rapport avec aider haïtien, il n'y a pas aucun rapport avec soulager souffrance peuple haïtien. So, nous voulons que nous comprenons que le William Ruto a pris pause son projet panafricain qu'il a fait, son menti qu'il y a. Et en effet, chaque jour, peuple haïtien comprend ça plus bien. Et le Joe Biden invité William Ruto dans Maison Blanche, c'est pour nous comprendre son récompense. C'est pour le faire tout le monde comprendre que États-Unis campé avec Kenya. Non seulement que yo baillon yon contrat défense 5 ans pour dire yo remercier yo pour ça qu'a fait en Haïti hein, mais nous tendez 600 millions de dollars nous ouais avion qu'a monter descendre rentrer en Haïti voyez porter toute qualité agribaille qui donc nous voulons et faut que moi dire peuple Kenya lui-même lui comprendre même j'ai avec peuple haïtien que ça est pas un bagage pour Haïti qu'a régler là. Merci un peu Jacqueline, c'est un plaisir pour nous te avoir. C'est gentil Junior Augustin depuis Washington pour VOA Creole. Oui, donc Komokoda fait trois stops et trois arrêts. Il te fait un devant la Maison Blanche, un devant ambassade pays Kenya dans Washington et puis devant ambassade pays d'Haïti toujours dans Washington. Et visite d'État président William Ruto a conduit nous tout droit dans cause et forme. Côté, on parti dans planification et visite ça, tenant même mesdames yo dans la Maison Blanche et cause et forme jodia, yon présentation Sandra Lemaire.
Première dame Jill Biden, ba journaliste yo ou aperçu de sa la Maison Blanche Paris pour dîner officiel yo organisé jeudi soir pour président kenyan William Ruto ak madame ni Rachel. So tomorrow night we mark the 60th anniversary of the United States partnership with Kenya. Lidi jeudi soir n'a marqué 60e anniversaire partenariat entre États-Unis et Kenya avec un dîner élégant en bas étoilio dans un pavillon qui fête presque entièrement à vide. N'a admiré un seul ciel pendant ce temps dehors a fait nuit. Donc n'a metté bougie pour illuminer tabio pour inviter yo dans un espace qui saturé avec couleurs roses et puis rouge. Madame Biden expliquait tout thème les choisis pour dîner. As guests leave, their path illuminated by our one moon. Pendant invité ou approche chemin pour aller dans l'espace là en bas lumière lune, m'a espéré y a ressenti même sentiment chaleureux. Moi-même, moi t'ai ressenti première fois moi t'ai visité Kenya, sentiment amitié qui pourrait durer longtemps et puis aider créer un avenir chargé à prospérité. Ruto s'est invité d'honneur dans le premier dîner d'État États-Unis organisé pour un pays africain depuis 2008. Président Ruto pral mettre accent sur relations serrées à Washington et puis partager un mouli pour deux styles de musique américain particuliers, gospel avec country. Biden invité 500 moun dans la Maison Blanche jeudi soir, ça qui fait dîner à une pigo dîner administration liant jambe patronnée. Biden pas respecté pour mes cités faites pour visiter Afrique l'année passée, mais il suggérait mercredi les gains intentions voyager sous continent dans le mois de février 2025 après les réélu. Ça qui pourra dépendre, bien entendu, de résultats élection présidentielle mois de novembre. Non. Dîner d'État yo représente un outil clé diplomatie américaine que yo kon réservé pour plus gros alliés États-Unis. Yo. Carlos Elizondo, c'est secrétaire social la Maison Blanche. So tomorrow night we've created an experience that will feature the beautiful scenes. Il dit pour jeudi soir nous créons une expérience qui mette accent sur bel panorama la Maison Blanche et puis monument Washington non que puis fort monde pas jamais gain chance jouer. Dîner ça tombé dans une époque délicate par rapport à la relation entre Washington et l'Afrique après un coup d'État dans Niger côté gouvernement militaire a été passé l'ordre par troupes américaines pour partir quitter le pays. Mais tout ça, la Chine et la Russie a fait effort pour élargir l'influence sur la politique et l'économie Afrique. La couleur runs through each table. Roses and orchids. Tabio a très coloré, n'a bien rose ak orchidée, ça qui représentait États-Unis à Kenya, et puis fleur pivoine à renoncule, qui c'est fleur préférée première dame là. Tabia a couleur fuchsia, ça qui bat espace là une chaleur invitant et puis une belle couleur. Président Ruto a passé 3 jours aux États-Unis, dans un moment côté pays Afrique de l'Est là apparaît pour le déployer force en Haïti, dans le cadre de mission sécurité que l'ONU a appuyé pour rétablir sécurité en Haïti. Pendant dîner, vedette country Brad Paisley pral performer et puis tout cœur gospel université Howard là. Qui ça sous menu a? Susie and I are so excited for this state dinner. Chef exécutif Chris Comerford dit Susie avec nous content à mort pour nous préparer dîner d'état ça parce que l'imaké commencement saison été a premier brain up service c'est une soupe tomate glacée. Nous préparer la tomate verte et puis ajouter des oignons que nous mariner et puis gagner cocombe et puis vinaigre. Ça rappelle nous qui genre saison été a doué. A gagner dessert tout bien entendu. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Donc, en gros, nous gagnons idée de voyage, visite d'État, ça, qui gagne. Et non seulement d'abord t'es gagné président Ruto avec toute madame qui t'est débarqué à Atlanta, après ça yo rentré Washington DC côté que t'as coup Jean-Robert et fait que ce dit nous là un ben et li rencontre il fait visite d'état et puis Asoya a gagné gros et dîner d'état. Donc c'est tout ça qui marquait visite d'état avec 60e anniversaire relation de PIO ou sous VOA Creole.
Donc c'est pratiquement une visite historique qui réunit tous les deux partis. Nous représentants parti républicain avec représentants parti démocrate là dans gros et visite d'état ça. N'a prêté toujours dans actualité à concernant les États-Unis côté nous n'a pas les élections, n'a pas les justice côté ancien président Donald Trump qui a fait face à un pile et difficultés avec la justice et pendant que l'issue candidat pour élection qui gagne pour dérouler et 5 novembre cap vini là, nous connaît que et semaine qui s'est passée là ou bien semaine qui s'est passée là yo, et bien ancien président Donald Trump te gagne pour te faire face en pile avec et, la justice il gagne paquet démêlé avec la justice nous gagne Valérie Saint-Louis depuis New York. Cas criminel et historique contre ancien président Donald Trump là, qu'a tombé dans jour cap vini là yo. Et quel que soit résultat verdict là, l'ICA affecté élection présidentielle 2024 là. Mais qui j'ai l'ICA affecté li selon certains observateurs. Donald Trump a déjà plaidé non coupable pour 34 accusations pour faux dossier business lio pour casser fait couvrir un paiement l'argent pour acheter silence vedette film porno Stormy Daniels. Jugement New York ça c'est premier jugement criminel contre un ancien président américain. Moi t'ai dû retourner à faire campagne dans moment, moi pas supposé ici là. Et il est très possible tout que c'est seul jugement que Donald Trump a gagné pour le faire face avant élection 5 novembre dans Kavin là contre président démocrate Joe Biden. Si on t'a joué Donald Trump coupable, selon un sondage Reuters Ipso réalisé sous potentiel électeur qui déjà enregistré pour y voter dans le mois avril là, résultat sondage là t'a suggéré que yon sous 4 électeurs républicains pas voté pour Donald Trump si on joué li coupable dans un jugement criminel. Dans une course électorale serré qui t'a qu'à décider dans parmi sa yore les Battleground State yo, qui c'est état ici aux États-Unis yo, qui considéré qu'ouè champ de bataille électorale. Même une petite quantité électeurs républicains avec quelques électeurs indépendants qui t'a déçu par un verdict côté la justice t'a joué Donald Trump t'a coupable, t'a qu'à aider Joe Biden gagner élection yo d'après un sondage que républicains ont fait. Mais comme ça tout, yon l'autre bord Trump a calé li yo t'a qu'à servi avec verdict coupable ça comme une complotaille, une persécution politique. Et si yon t'a joué Donald Trump non coupable, verdict non coupable la t'a doué une grosse victoire pour Donald Trump d'après experts yo qui fait analyse à travers chiquet politique là. Pendant la campagne, liant, Trump a capable de réclamer et faire valoir que l'autre accusation gen contre lui n'a pas gen aucune valeur légale. Il a accusé le comme quoi il était essayé de renverser le résultat de l'élection 2020 dans Washington et l'État Georgia. Et puis, il a fait face à l'accusation dans l'État Floride pour documents classifiés que le TCR la caille. Et il était plaidé non coupable tout pour cas ça. Ça prend le fait que si Potelio et Basio t'a senti yo validé et que t'a joué une revanche. Et si 12 membres jury n'ont pas d'accord sur un verdict inanime, résultat après comme une victoire pour Donald Trump. Expert légal dit à ce moment-là, juge l'a dû déclarer annulation pour CA. Et d'après eux, Donald Trump a gagné en pile chance servi à ça comme une victoire. Pourtant, si vous avez annulé le jugement, ça après quand même vle dit que électeur croit que au moins quelques nan membres jury qui ont même croit que Donald Trump est coupable. Mais tout ça, c'est analyse. Et pendant ce temps, ancien candidat républicain Nikki Haley fait déclaration hier mercredi 22 mai pour dire que il pral voter pour ancien président Donald Trump dans l'élection présidentielle novembre. I will be voting for Trump. Moi pral voter pour Donald Trump. Nikki Haley t'a dit que Trump comparé favorablement à président Joe Biden que lui-même li relé une catastrophe. C'est comme ça que Nikki Haley t'a parlé devant une audience conservative dans Hudson Institute en Washington. Mais elle t'a dit tout que Donald Trump doit continuer à contacter l'électeur qui supporte lui dans cours là et puis il n'est pas supposé penser qu'il pral automatiquement voter pour lui. Faut que Donald Trump mette pied la terre et puis continue à faire campagne. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis. Quelques points dans l'actualité internationale. D'abord, dans l'Amérique latine, il y a un Mexique, yon rafale vent renversé yon installation électorale. Bilan, il y a 9 mouns qui mourent, parmi eux, yon timoun, et il y a 63 autres qui blessés. En Iran même, c'est clôture 5 jours d'œil qui bouclait dernier et hommage que y a pris un président Ibrahim Raisi qui mourit dimanche qui s'est passé là, dans yon accident hélicoptère, des gars avec tout, ministre Affaires étrangères, avec 6 autres monde qui étaient dans appareil là, yo enterré président Raisi dans ville Natalie en parlant de Machad qui dans nord-ouest pays a côté te gen des centaines de milliers monde qui étaient rendu yon hommage et gen plusieurs monde qui fait déplacement gen plusieurs pays tout qui voyait monde mais pas dans niveau chef d'état. Ou souvé ou akreol ou a suivi un programme dans langue créole haïtien actualité à dans pays d'Haïti dans un petit moment.
Ou toujours sous VOA Creole, n'a pas mettre depuis Washington DC, Conseil présidentiel transition a organisé une séance travail hier mercredi dans intention pour mettre campé un Conseil national sécurité conformément à l'accord 3 avril. Nous gain détail avec Renan Toussaint depuis Rencontre ça a réuni experts nationaux, professionnels dans diaspora avec l'autre personnalité importante qui gain rapport à l'article 25, 26 et 27. Accord 3 avril 2024 là. Cependant, aucun nom expert et participant pas révélé. Objectif là, selon Conseil présidentiel transition, hein, c'est utiliser yon meilleure formule qui permet force l'audio bail une réponse efficace par rapport à crise sécuritaire conformément à résolution 26-99 Conseil sécurité des Nations Unies. Gagnant violence désastreuse que bonne armée provoqué dans le pays d'Haïti, dernier temps ça yo, c'est commissariat et sous-commissariat police que bonne armée continue à détruire. Selon thème référence à accord 3 avril 2024, l'an, Conseil national sécurité a bien mission pour superviser assistance internationale dans le domaine sécuritaire en collaboration avec acteurs national et international. Selon thème référence à accord 3 avril 2024 l'an, Conseil national sécurité a bien mission pour superviser assistance internationale dans le domaine sécurité en collaboration avec acteurs national et international. Selon une note qui portait signature coordonnateur général Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, CPTA renouvelé engagement pour collaborer avec tout partenaire pour capable garantir sécurité et stabilité en Haïti. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et bien, toujours dans le pays d'Haïti, gouvernement démissionnaire a lui-même les prolongé couvre-feu jusqu'à 28 mai, deux jours après les prolongé état d'urgence là, sous département l'Ouest. Nous gagnons sous place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Gouvernement haïtien décidé prolonger couvre-feu dans le département l'Ouest, côté capitale la située et côté état urgence en vigueur pour tenter freiner les actes violentieux. Premier ministre pour un petit bout de temps, Michel Patrick Boisvert, annoncé dans un communiqué couvre-feu à Kembe, sorti mercredi 22 mai pour arriver mardi 28 cap vini là de 10h dans soir pour arriver 5h dans matin. Communiqué a précisé, mais ça pas concerné force l'audio, pompiers, ambulanciers, personnel médical et journalistes qui correctement identifiés. Décision ça qui pas nouveau apprend depuis près de 3 mois. Mais il n'y a pas grand effet significatif sur la situation sécuritaire. Haïti a confronté à une escalade de violence avec massacre, attaque, viol et enlèvement. Bandi Améo pas suspendu fait. Mardi 21 mai, Bandi yo, yon l'autre fois encore, prend possible espace sous commissariat police là, dans Matissan, entre sud capitale là. Vidéo qui a circulé sur réseaux sociaux, montre gros dommage sous commissariat ça, qui se contrôle gang Améo depuis juin 2021 subi. Dans la nuit de vendredi 17 pour arriver samedi 18 mai 2024 là, gang 400 Marozo utilisait une pelle excavatrice pour détruire commissariat prison civile Croix des Bouquets dans Nord Port-au-Prince. Alors que prison pour femmes dans Titanien qui trouvait à plus passer 30 km dans Nord Port-au-Prince abandonné depuis plusieurs mois, les mêmes tours bandits ont détruit. Malfrayo passé en bas flamme dit fait tout sous commissariat police Cécile dans l'île à voir bon repos. Mardi 21 mai 2024 là, attaque sa yo contre commissariat ak sous-commissariat police vini nan un moment processus déploiement mission multinationale appui ak sécurité nan pays d'Haïti a accéléré même lorsque gen information qui fait croire capable gon ti retard nan déploiement ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. T'as connu ce temps dernier au reportage, eh ben gangameo, ils ont même utilisé engin lourd pour craser infrastructure police là, qui surtout qui dans zone non douayo. Massado Ville m'a dit non plus. Bagé autorité policière, bandits vivent ensemble, yo t'as même une opération craser commissariat et sous-commissariat police qui dans région métropolitaine là. Dans Croix des Bouquets, c'est plus passé 5 postes police gang yo commencé craser depuis avant célébration fête drapeau haïtien. Dans l'entrée site capitale là tout, bandit qui a évolué dans la troisième circonscription a commencé avec même démarche là. Dans Koumatissan 1, Assaïen a mis des faits et puis crasé avec pelle excavatrice sous commissariat qui dans zone si là. Il a mis des faits tout dans sous commissariat habitation l'éclair qui lui-même dans Matissan 23.
Nouvelle fait connait bandi yo ta déjà commencé écraser sous commissariat qui dans grand ravine. Cependant, information yo fait connait action ça yo visé dans l'idée pour empêcher soldats force multinationale yo joindre espace pour tabli base yo. En termes de réaction, yon responsable Douazimè Pierre Espérance qualifié action gang yo comme yon acte terroriste. Bandi yo gang yo et qui a ça fait dans pays a c'est un acte terroriste qui a fait avec complicité et autorité. Pas de aucune possibilité pour gang aussi puissant que ça dans pays a sans yon pas de connivence avec autorité dans plus haut niveau dans l'état particulièrement hiérarchie la police. Et qui donc, c'est la complicité du directeur général de la police là, qui fait que les gangs sont puissants comme ça, qui fait qu'il y a attaqué les ouvriers, fait ça ouvriers, côté ouvriers, et sans pas gagner. Et ça vient de faire que les policiers yo, qui veulent travailler, qui veulent combattre les bandits, yo, la vie est exposée par rapport à la complicité en directeur général avec Bandi. Selon responsable Douamounan, démarche qu'a fait pour déploiement force multinationale a déjà créé panique dans mitan Bandi. Pierre Espérance souligner faut que t'aille passer mais qui fait tout dans tête police là. Qui commence à blaguer chez yo, qui commence courir, capcher pour eux, yo commence à paniquer par rapport à quantité de matériel et équipement qui yo fait là, qui a commencé cependant. Moi pense si vous avez un nouveau leadership dans la police, si vous avez un gouvernement qui est responsable, et si acteur en chaîne pénale a fait le travail, et par rapport avec l'équipement que moi capinal, moi pense, je vous dis là, il y a deux départements qui ont le plus de problèmes, c'est l'Ouest là, avec la Tibonite, et je suis capable de faire des résultats parce que les bandits ont commencé à paniquer. Nous devons dire, coup de balle passe spanchoté dans le périmètre palais national là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Créole. Donc c'était actualité à dans le pays d'Haïti et go nouvelle là, ici Washington et qui gagne rapport avec Haïti, c'est visite d'État ça que président Kenya qui gagne avec madame Nitu Rachel Ruto qui trouvé au dans Washington d'ici jeudi et yo même yo rencontré jeudi avec président Joe Biden, président Joe Biden qui exprimait en pile et attention pour leadership que monsieur Ruto, président Ruto a établi dans sous continent africain pour travail que l'a fait pour travail il fait déjà et il mettait en pile accent tout sous coopération sous relation entre deux pays côté a fêté pral et célébrer là à Square dans gros et dîner d'état ça et ben qui gens que pral célébrer 60e anniversaire relation que au gain et première dame a expliqué dans qui condition que ça pral fait et qui belle bagaille qui pral gain qui belle manger Sandra Le Maire t'es parlé de ça et monsieur Ruto tout président Ruto tout est prêt à la parole et tout ça dans la Maison Blanche jodi a côté que on te gain Jean-Robert Philippe lui-même qui t'est couvri la Maison Blanche pour nous et t'est gonti la pluie dans matin mais ça pas empêché que grand pile monde qui t'est fait déplacement pour une raison pour une autre et puis t'est gain Komokoda tout lui-même qui basé dans New York lui-même qui t'est fait trois stops il t'est fait un devant la Maison Blanche yon devant ambassade pays Kenya dans Washington et puis l'autre là devant ambassade pays d'Haïti dans Washington et puis son façon yo dit pour être capable dénoncer mission ça cap gain pour débarquer dans pays d'Haïti nous pratiquement arrivé dans fin programme là nous remercier Jean-Marc Hervé Abela qui était chef pupitre là sans oublier deux envoyés spéciaux gentil Augustin Junior avec Jean-Robert Philippe qui était yon dans la Maison Blanche et puis yon dans les rues de Washington. Moi, c'est Jacques Lemelizer. Yon plaisir, l'autre fois, pour nous servir. À demain. Qui viral à travers la presse, yo dit, et c'est pour essayer de regarder la situation difficile que le pays a connu et pour garder avec experts professionnel national ou international à cap personnalité important sous création conseil sécurité que vous prévoit mettez campé en dedans pays en Blaise Peterson. Objectif principal réunion ça c'était défini une réponse efficace dans plusieurs aspects dans crise sécuritaire que pays a connaît et peuple là surtout qui fait face avec situation très difficile là c'est ça conseil là écrit dans note que vous avez publié
et ailleurs pour faire connaître qu'il y a travail, il y a pas arrêté chômé sous décision que il y a gain pour prendre cap cause que c'est insécurité qui cabane dans pays. Médecins sans frontières, une instance qui sans doute porter service santé en dans pays avec personne a fait face avec manque de stock tant coup médicaments et équipement médical dans sens ça que c'est conséquence directe que insécurité qui gain en dans pays avec port qui rive fermé, organisation humanitaire mandé à la douane pour yo entendre pour permettre que procéder la douane et capable de reprendre dans des cas qui cabrent, y a accès pour permettre que produit ça y capable venir pour bail mon soin que caillou nécessité et au même parler avec les examens tout pour au moins créer possibilité pour machine qui pourra chercher médicaments et pour bail mon soin dans l'hôpital cabrent accès pour capable circuler sous différents axes routiers. Selon ensemble information qui a publié, eh bien, responsable qui est dans le pays, les États-Unis d'Amérique, dont le gouvernement américain, décidé acheter 16 hélicoptères pour bail avec le gouvernement Kenya. Est-ce que ensemble hélicoptère ça va servir service pays, dans quatre missions qui a gagné, pendant Leslie Voltaire déclaré que mission ça va pas gagner pour gommer avec Bandi, mais c'est plutôt la police qui va faire face avec Bandi, Blaise Peterson. Chaque membre dans le conseil là, responsable d'un chantier en dedans pays. Tant que Régine Abraham, selon information, qui se représentant rien dans le conseil présidentiel là, il se responsable sécurité alimentaire et environnement dans décision qui a essayé de regarder depuis plus passé 10 jours. Dans ce conseil là, ou bien dans mi-temps conseil là, et yo essayé de regarder, yon information que au Kembe, yo parle de grand public, et Jean-Louis Saint-Ligondé, yon nan moun ki yo tap et qui t'a participé dans l'émission que Radio Vision 2000 t'a révélé information ça pour matin Blaise Peterson. Ensemble pour ça yo, pral faire essentiel parler pour changement, pas connait sous gain de l'autre qui en bas yo, n'a ajouté yo sous pas gain l'autre point, et ben c'est ensemble pour ça nous pral discuter sur yo et pendant nous pral faire salutation avec monde qui toujours fidèle avec nous yo, après ça pour aller dans la rue pour aller connaître qui Jean Larry Port-au-Prince s'est levé parce que n'était connait gain gros l'appui qui t'a tombé et barbecue parler, barbecue dit pas mandé personne amnistie lui-même. Ça, mon yot ap gale là, c'était toquette là. C'est Charles Apriton. Li parle de jeudi 23, que mon yot ap doué commencer ouais action, que vivre ensemble a fait en d'un pays. Il dit vivre ensemble par les personnes amnistie. C'est dans bataille, si après amnistie, c'est peuple là qui va venir faute. Amnistie, dans bouche de la situation, nous pral discuter, nous pral analyser, nous pral regarder ensemble commissariat qui continue à craser en d'un pays. Malgré France LB dans tout premier moment, il te dit c'est matériel qu'il pas de gain. Plusieurs chablende rentrer dans pays ya, ou bien plusieurs blende rentrer pour venir vendre PNHA des matériels sophistiqués pour jusqu'à présent nous la police vient plus impuissant. Est-ce que c'est l'ordre ambassade américaine pas qu'au bail France LB parce que c'est eux qui remettent matériel yo pour capable efficace et travail pour rendre que peuple haïtien si soit monter le ciel pardon avec insécurité programmée si là qui apprenait depuis un bon bout de temps les personnes. M'a ajouté, m'a dit que j'en détiens dans la question sous commissaire que n'a pas après que n'a fin crasé sous commissaire Matissan, et n'apprend que n'a pas sous commissariat et c'est cela, et côté que c'est bandit Jeff Golo Canaran qui crasé sous commissariat c'est cela. J'aime bien dire déjà dans l'émission que nous avons fait matin en quatre vérités. Nous avons posé la question pour nous dire que qui ça qui motivé, qui ça qui derrière tête bandit, et bon, c'est que jusqu'à présent, nous avons posé la question pour dire que qui ça que bandit même gagné comme plan, et puis vraiment que nous ne connaissons pas, parce que c'est crasé commissariat, crasé sous commissariat, tous les policiers, courir des mounes, ça veut dire que nous avons besoin de connaître exactement comment la situation est même liée. Des Ibenes, moi, c'est ensemble de Ponsa Jondian, que nous regardons des talents comme ça, mais entre temps, on a les amis, et qui, ils ont même pas besoin de suivre nous. Très bien, Blaise Peterson, gros coup de chapeau pour les users, parce que les users ont pile dans le cadre émission, ils ont un commentaire, qui ont quitté réaction, ils ont montré qu'ils sont toujours présents. Nous saluons Jadot Ouven, qui est toujours avec nous. Nous saluons Pierre et Jean-François, qui est toujours branché. Nous disons merci en pile pour écouter. Nous saluons Jean Derville, qui pratiquement est toujours avec nous. Nous saluons Marcel Simon. Nous saluons Paul Christine Christianor, merci Paul Christianor. Nous saluons Anne et sincère qui tout branché nous tout. Nous disons merci à pile pour écouter. Nous saluons Marie-Maud de Laurent et depuis un bon bout de temps nous t'ai perdu contrôle Marie-Maud de Laurent. Elinor TV, merci pour fidélité. Nous saluons
Oscar Odius qui toujours branché tout. Nous saluer Oubès Lonsil qui n'était pas dit contrôle qui retournait vin jeune équipe li. Nous saluer Alfares Dossou qui toujours quittait commentaire pour nous sans oublier Marie-Zana Xavier, Marie Nosifor. Nous saluer également Marie-Jasmin qui toujours avec nous Immaculée La Fleur, c'est mon panou, Janine Petit Homme, Jenny Baptiste qui toujours avec nous. Nous saluer Charles Maille et qui toujours à Charles Maille et Aurélius qui toujours branché, nous dit merci en pile pour écouter pour fidélité, nous comptons et nous saluer Polo Mac qui toujours avec nous, nous saluer Penado et Ziliano, merci Beliano, nous saluer Altide d'Ajuste, merci en pile d'Altude, nous comptons pile parce que ou toujours avec nous et ou toujours quitter commentaire et réagir dans le cadre émission, nous saluer Astrel Jean qui toujours et branché nous saluer Roselaine Metelis Blespierson qui par exemple pas fait la route avec nous dans le cadre émission, Jean-Robert Latour Negou Kai qui toujours avec nous tout, nous dire merci en pile pour écouter lui, merci pour fidélité et Guémar nous dit fort qui déjà annoncé nous que le 1er juin qui a vu là, c'est fête-là. Donc déjà commencé, c'était Marie Nosifor. Bonne fête, et d'a préparé pour nous. Et manger champagne, nous prenons le bouet gâteau dans l'occasion. Fête Marie Nosifor. Et pour Marie, nous côté fête la fête. Marie, vous avez fait là pour nous donner. Et vous l'avez pris par la gueule sur le plan, parce que grand pile teaser, grand pile. Grand pile inquiété. Nous ne pouvons plus aller en fête là, Marie Nosifor. Vous l'avez pris pour nous. Et puis vous l'avez fait là, Marie. Déjà là, bon, on met chaud et on met chaud. Laissez faire mettre chaud. Bon, c'est bon. Marie Nosifor, Gé Jenny Baptiste, Gé Marie Jasmine, Gé Marie Zana Xavier, Gé Elino TV, Gé Fondation Chris Capable. Ouais, Mounzao, pas faire jalousie dans l'autre monde. Ouais, Mounzao, ça c'est mettre chaud. Et Immaculée La Fleur. Et puis Mimo Social. Yes, ça est mettre chaud. Là, on va se désirer. Vous finissez avec cette version, frère. Nous saluons ensemble moun sa yo et tout reste moun ki pa tande nou tant qu'on tout temps dit yo kap jwenn nou dans émission qui a vini après ou bien jwenn émission yo nou à la fin et pou kounye a blè expression si n pa gon point ki n'a réagi sou li avant nou ta dwe dans l'aria mais avant pendant on pral dans l'aria bon monsieur docteur gardé ki sa ki n kap réagi ki sa ki n kap questionner et avant que pral dans l'aria et m pense que mieux que toi avec moi là. Sauf que m'a dit que selon sa collaborateur nous qui clonait des partages avec nous là monsieur fait on est un petit avion qui gagne forme un drone qui a promené là qui a voltigé et sous dos canarin depuis matin en tout cas et ben l'assemblée a changé face là en tout cas clonait venir porter aller comme ça mon frère. Mais entre temps dans avec Kelito. Kelito, comment ça y est pour matin puisque après une journée la pluie tombée et sous capitale haïtienne non avec diverses provinces comment capitale enlevé parce que c'est plus patra qui envahit capitale là mais comment question est tout dans affaires sécurité. Kelito, comment est-ce qui te salue Blaise, qui te salue des UNS, qui te salue chaque grand monde qui toujours branché message nouvelle là, son plaisir, Blaise, son plaisir. Mais avant même, nous avec information, ça, faut nous dire, depuis environ midi pour vigilance, on a parlé qu'on y a là, c'est gagné en pile détonation, Blaise, au niveau de, au bord ministère intérieur, dans nous, qui cours supérieur des comptes, Blaise, qui te sont là, qui gagne, coup de cassation, dit, c'est gagné en pile tiré, dans le moment là, t'es gagné à fond contre la police, ensemble avec, à tuer ses vivants, déjà, hier nous gagnons un barbecue qui était 10 jours d'hier et monsieur yo capé puis yo até des ça qui était gagne beaucoup oui sur chaîne masse là mais pour moment on a parlé là gagne des problèmes de qui déjà descend dans périmètre là on capable dit tension en même lui retourner calme la police pour cette situation le chaîne masse retourner dans calme lui blesse de tension. Et ça veut dire la barbecue, puisque t'es question que mission t'a débarqué. Alors, selon ça que t'es dit, mission de Kéboul débarqué entre 23 ou bien 26 mai. Et comme on tire retard, Jean, que nous t'avons information sur ça déjà dans l'émission ailleurs, hein, on tire retard dans la question, on achat ensemble de matériel, qui fait que mission pas débarqué jeudi 23 mai. Hein, mais barbecue, bon côté par lui-même, il débarque lui-même. Il débarque en bas la ville, là, avec Vivant Samni. Hein. Tout à fait, il a annoncé lien non coup de vidéo de la guerre sur le zoa, un peu il a annoncé, un peu monsieur ça a dit là qui t'a fait apparition dans différents périmètres du matin. Fon dit tout blaise, l'eau a descendu l'hôpital général pour aller dans le lycée tout ça. Monsieur qui barricade ou ça avec un pile de bois, il fait gros barricade. T'as l'air. Qui bon? L'autre bon, l'hôpital général, l'autre descendu pour aller, pour faire coup pour aller bon l'hôpital. Pour aller dans le lycée tout ça. Ça, c'est son lycée honoré.
Oui, monsieur. Mais t'as l'air qu'il est tout. On connaît pas le bagage très bien parce que plus ou moins connaît zone ça. Est-ce que y a mettez pied-bois dans le niveau entre pour descendre rue Saint-Honoré et rue du Centre ou dis-moins entre rue de la Réunion pour descendre puis bas toujours pour aller zone lycée tout ça. Qui côté exactement là que mettez alors bandi y mettez pied-bois ça dans zone ça. Ancien côté tribunal là annexe de la TIA. Oh OK, moi qui bon. En avance. Là, monsieur, vous mettez M. Là, c'est un rapport avec un t-shirt qui t'a fait quelque chose. Il y a un gain de coût en plus de ton action dans le pays de ça encore parce que t-shirt qui t'a planté une vie dans le pays de ça. Nous ne pouvons pas connaître si c'est vous débarrasser là. Et ça qui devine faire un pile de détonation, l'espace si là, monsieur, vous même qui a essayé d'annuler quelques espaces, vous même pour voir comment vous êtes capable de contrôler, puis vous mettez pas, vous pour empêcher la police, même arriver sur le fond, tout. Et bien, le commissariat, monsieur, pas si c'est un crasé commissariat, j'en ai le monde à constater la somatissant de monsieur crasé, tout le commissariat, ça net matin en blessure. Depuis, il y a eu comment c'est crasé, il a dit, je dis à la matin, les refins de restant. Qui Kelito? Blessation. Yé, moi, tu comme ça, et depuis, avant hier, soit vous l'ouvriez, là, vous avez commencé à écraser le commissariat Matissan. Ce commissariat me dit, matin, là, vous faites restant. Et tout matin, monsieur, vous continuez à écraser tout matin, parce que nous avons quelqu'un qui nous dit, sur Tikafou, qui dit, matin, et monsieur, avec un gros l'odeur, un backup, essayez, ouais, comme vous avez écrasé, net, mettez la tête. Ça veut dire, là, les gars, faites tout bagage ça, là. Malgré tout ça, n'est là comme si quand elle n'est pas voyée la police, elle fait, elle met bon, on dit même si vieux particulier, nous avons besoin de bâtiment comme c'est qui était casé, mais au moins n'est que t'as senti bon réponse que yo bayo. Elle dit matin là, matin qui c'est jeudi 23 mai, et mon cas passé sous Matissan a constaté que bandi yo avec gros bacolo de yo a crasé, a fini crasé ce commissaire Matissan. Tout à fait, plusieurs journalistes qui étaient cafou, qui t'a descendu le matin, t'es constaté ça avant de retenir la machine, t'es partagé l'information avec nous, même dans nos mêmes tours, nous partager avec un fidèle internaute qui blesse. Mais maintenant, dès que Negio Kounia là, yo visé sous-commissaire pour aller au Gana Kounia, parce que yo dit, il va quitter sous-commissaire, même dans le bloc ça, même Kounia m'a dit, Negio visé sous-commissaire pour aller au Gana.